Autrement. 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 Je m'appelle Emma Grillet. Et moi, c'est Adèle Guibert. On a créé notre association Histoire de Femmes. Suite à notre projet TPE, donc dans lequel on a fait un livre pour enfants au sujet du cancer du sein. Donc on explique le plus simplement la maladie aux enfants, les traitements, après la maladie aussi. On avait fini donc le livre, tout ça. On a décidé de retourner voir l'oncologue qui nous avait aidés et pour lui montrer le résultat final. Et elle nous a dit que vraiment, ça n'existait pas. Un livre vraiment sur le cancer du sein pour expliquer du début à la fin la maladie. Nous, c'est vraiment pour se mettre à la place de l'enfant. Il se pose des questions et sur la page qui suit, c'est vraiment l'explication avec des images, des schémas. Je pense que ça peut aider les enfants à comprendre, mais aussi les parents à trouver les mots simples, je pense, pour expliquer. Et avoir un support avec une image, enfin quelque chose qui explique plus simplement et qui fait que c'est plus compréhensible. Et puis aussi, mais même à un enfant plus grand, même s'il veut apprendre sur la maladie, c'est très simple, donc c'est vraiment accessible à tous. Donc on est vraiment à la recherche de subventions, de dons pour pouvoir imprimer le livre, le publier, le vendre et puis tout l'argent récolté, pouvoir le reverser à la recherche contre le cancer du sein. Dans notre lycée, on a organisé la semaine rose pendant le mois octobre rose. Puis on a justement donc fait une petite vente de badges et puis on a aussi un soir fait une petite intervention pour expliquer la maladie aux gens de notre lycée, à les sensibiliser. Et puis y a quand même beaucoup d'élèves qui sont venus et On a essayé de faire de notre mieux pour que les gens comprennent. On essaye de pouvoir travailler avec des gens vraiment autour de chez nous et justement c'est ça aussi qui est bien. Oh.